C'est ça l'enjeu. Un mot sur l'information. Parce que vous avez créé des données et vous avez dit que l'État a besoin d'un gouvernement avec des nationalités. À quoi on puisse mettre en place un gouvernement? Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Justement, il faut agir vite pour que le Parlement soit véritablement fonctionnel. Il faut agir vite pour que les députés nationaux puissent aider le président de la République à relever les défis de l'Est. Le plus important, c'est cela, la paix dans notre pays. Mais aussi, il y a la paix. Les Congolais veulent la paix. Les Congolais veulent la réorganisation de leur économie. Les Congolais veulent un peu plus du social. On s'occupe de leur vie quotidienne, l'éducation, la santé, le travail, la lutte contre la vie chère. Ce sont des questions qui préoccupent la nation. Qui doivent aussi être portés très rapidement par cette nouvelle Assemblée nationale. Et donc, nous pensons qu'il est urgent que les choses se mettent en place, que l'informateur puisse faire allusion à l'informateur, l'homme de rouage qui connaît pratiquement l'échiquier politique. Je crois qu'il va lui aussi probablement aller vite dans son travail pour dégager la majorité, la cartographie politique de la nouvelle Assemblée nationale qui permettra de mettre en place un nouveau gouvernement. J'insiste, mes chers amis, sur le fait que nous sommes ici pour changer le destin de la nation, changer le destin du pays. Et changer le destin du pays signifie essayer d'écrire une nouvelle espérance, changer le destin de l'économie, refaire les choses autrement, essayer de mettre au centre de nos préoccupations, de notre travail, les Congolais et leurs préoccupations. Et je crois que chaque minute est une vie, chaque jour qui passe, chaque jour que nous perdons est un gâchis. Donc moi je suis vraiment pressé pour voir les députés nationaux de cette actuelle législature qui commence, eh bien, commencer à faire ce travail-là, notamment ce qui concerne, comme je l'ai dit, le dégraissage de l'obésité de l'État. L'État est obèse, et essayer d'agir pour une législation plus sociale, un contrôle parlementaire sérieux, notamment le contrôle budgétaire, pour l'amélioration de la dépense publique, que la dépense publique soit socialisée. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourrait rectifier les erreurs du passé et permettre à ce que les Congolaises et les Congolais soient fiers de leurs élus. En deux mots, les manifestations publiques, on a des erreurs contre les erreurs. Les manifestations publiques se font de manière spontanée par un peuple qui est indigné et excédé par la barbarie, les écrits de la barbarie, de cette agression lâche du Rwanda qui continue à fréquenter les grands salons diplomatiques du monde et le monde qui se tait face à cette abomination. Ça c'est criminel. Reste d'abord. Donc un peuple qui voit ça, laissez qui voit passer, que l'agresseur passer. Qui est identifié, les rapports des Nations Unies qui reconnaissent clairement cette agression. On voit bien que la communauté internationale s'était et ne sait pas, eh bien, le peuple a tout à fait le droit de manifester sa colère, son indignité. Mais maintenant, il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas de la manipulation derrière. Il faut que cette protestation se fasse de manière digne, sans violence, sans porter atteinte à la vie de qui que ce soit. Donc il faut crier l'indignité, crier la désapprobation de manière tout à fait digne. Et je crois que pour cela, nous sommes ensemble avec tous nos compatriotes. Et je crois que moi, je n'ai aucun doute sur l'issue finale de cette guerre. Nous allons la gagner, la paix sera rétablie et nos compatriotes qui sont à l'est du pays doivent savoir que nous sommes de terre avec eux. Et ces manifestations, justement, témoignent de ces soucis parce que la nation, c'est comme un corps humain, c'est comme un tout. Lorsque même l'orteil est touché, même l'œil est touché, une partie du corps est touchée, c'est tout.
aujourd'hui, nous allons nous battre ensemble par tous les moyens, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique, pour essayer d'élever ces défis, je crois, pour l'établissement de la paix et de la sécurité à travers tout le territoire national. Vous avez encore l'intention de revenir comme gouverneur de Kassa Oriental? Je n'ai pas l'intention de revenir comme gouverneur, mais j'exécute la volonté du peuple. C'est-à-dire? Je vais là où le peuple m'envoie. Et si le peuple vous réclame au Kassa? Pour l'instant, il m'a envoyé à l'Assemblée nationale. Il m'a encore envoyé à l'Assemblée, où je suis le président du bureau provisoire, donc le doyen d'âge. Joe Biden 2. Donc je dirige maintenant le bureau provisoire de l'Assemblée. En même temps, l'Assemblée provisoire, en même temps, je suis député national. Alors, d'autres choses sont en route. Hein? Donc, le pouvoir que le peuple va me donner. Le bureau du Sénat. Donc, vous pouvez revenir comme président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plutôt du Kassa Oriental. Je n'ai pas l'intention d'être le président de l'Assemblée provinciale parce que je veux servir le peuple. Vous comprenez? Je n'ai pas l'intention d'être le président de l'Assemblée provinciale. Mais ce que je fais, c'est l'application de la constitution légale. J'ai été le doyen d'âge, je suis le doyen d'âge. Voilà pourquoi j'exerce ce pouvoir-là de président provisoire, du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Et donc, mais les choses évoluent. On va les vivre. Un mot par rapport à la guerre à l'Est. À l'Est, oui. Un mot par rapport à la guerre. Je condamne cette agression, cette énième agression. Je compatis avec mon frère. Je compatis chaque jour les victimes de cette barbarie, du Rwanda et tous ceux qui sont de l'air. Beaucoup nous ont le grand Congo est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Nous devons vaincre l'ennemi. Peu importe ses appuis et autres, au nom de la justice divine, nous devons vaincre ce pays. Merci beaucoup. Joe Biden. Ce qui a été présidé par le président du Sénat, parti qui était le plus âgé, et le deuxième Benjamin, l'honorable Émile et l'honorable Amissi, je crois que ce sont les deux Benjamin qui ont été aussi installés et le bureau a séquencé les soutenus. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre travail? Oui, comme un travail humain, c'est normal, on a eu des difficultés. D'abord, la CENI ne nous a pas donné comme elle exige le PV des résultats. Nous devons savoir est-ce que réellement ceux-là qui ont été proclamés sont ceux-là qui ont eu et qui ont obtenu un pouvoir. C'était la première des difficultés. La deuxième, liée aussi au mode de travail, moins. Ça a été résolu après parce qu'il fallait avoir un peu de moyens pour se faire fonctionner cette commission. Nous pensons que tout a été fait. On a essayé de surmonter ce qui était ce genre de discours. Le nom? Le nom, c'est l'honorable Wenda Mukangwa Placide, élu de Chabunda au sud. Merci.